filme. Je filme la déco, pourquoi tu fais interdit de filmer? Je venais voir là, si il y a écrit, je sais plus quoi, c'était sympa. Il n'y a rien. Ouais, des fois, l'autre fois, il est marqué. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lucifer. C'est pas vous qui avez conduit? C'est les gens qui font les tags, c'est ça, c'est sur les tags. Oh! Ah bah ouais, mais faut pas qu'ils se mettent devant la caméra, mais. Et tu joues pas devant la caméra, surtout. Sinon, vous passerez internationalement sur Internet. 5h13, 2h du matin, qui veut le faire? Ah, ouais, veille de fête en tournante, matin, soir, week-end, soirée, week-end comme SFR. Ouais, je connais, moi, ça. C'est tout neuf refait, ça. Portable si je le tombe sur la voie. Quand je suis sorti à ligne 10 à Duroc. Une, elle a dit c'est pas bon de prendre le métro parce qu'on est sorti de la rame, à ce moment-là ils ont dit il y a incident malaise voyageur d'une Clichy, ça faisait deux en même temps. Ah ils vont paralyser. Allez, si tu veux, viens avec moi. Bon. Ils ont fait 3-4 mois de travaux, on dirait de la peinture à la bombe. Gris martelé. Colonne antique. Pétale. Il y en a un qui a mangé bon. Alors le top que j'adore sur cette pièce, ça consomme pas beaucoup, hein, si vous tirez un peu dedans c'est 50 litres, mais il a tout de même la vignette critère violette, et il ne pollue pas, il fait 50 litres de supercarburant. Alors, il a peut-être une assistance électrique pour faire 3 bornes, mais il ne pollue presque pas, il a presque une vignette verte. Hein. Voilà, si vous avez les moyens, vous achetez ça, vous polluez pas, vous avez le droit de rouler en ville. Ah là, il s'est équipé Brembo, disque, double disque perceventilé. Sinon, vous pouvez acheter une Rover électrique. Ça pollue pas, ça fait zéro en ville. Et là, je suis sûr que vous avez une vignette verte. Usine à gaz. Mais il fait pas de bruit électrique. Elle, pardon madame. Ouais, électrifié. Ça me fait penser aux vieilles charrettes. Il a fait rouler spécialement pour moi, pour moteur en colère.
Ah, c'est trop marrant. On entend juste les verres. Hein. Voilà encore une Toyota hybride. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo spéciale à HHO. Et je vous avais dit, elle avait été montée, le HHO avait été monté sur une V11 Le Mans. Donc, la drisselle était du côté gauche. Et à droite, vous aviez le bulleur, enfin le réservoir. C'est pas vraiment un bulleur, ça bullait dedans, mais voilà. Donc, pas de pot catalytique, pas de sonde lambda, donc c'était facile à faire. Ou à réaliser. Là, j'ai trouvé carrément. Ah, il y a un truc qui coince. Voilà, t'as une magnifique V11 comme ça. Donc, une V11 dépolluée au HHO. 1 litre de moins au 100. 91 chevaux. Je ne vous parle pas des vitesses de pointe.